as passé une chouette semaine, même si tu es à la maison cette semaine. En plus, c'était les vacances. T'as vraiment de la chance, dis donc. Je suis sûre que t'as eu le temps de faire plein d'activités, même si c'était à la maison. Mais peut-être que t'as fait des choses avec papa, maman. Ah là 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 là, j'ai hâte de te revoir en vrai pour que tu me racontes tout ce que tu as pu faire. Mais aujourd'hui, je te propose que, comme chaque semaine, on parte à l'aventure à travers une nouvelle histoire de la Bible et qu'on voit ensemble qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Est-ce que tu es prêt avec moi? Alors si tu veux bien, comme chaque semaine, on va commencer par prier et demander à Dieu d'être avec nous pendant ces moments et de nous parler. Alors ferme tes yeux et répète après moi, ou tu peux prier aussi tout seul si tu sais prier maintenant. Seigneur Jésus, merci pour la Bible, ce livre merveilleux que tu nous as donné. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, même à la maison. Je te prie de nous parler à travers tout ce qu'on va entendre aujourd'hui. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Que l'on appelait le jardin d'Éden. Ce jardin était magnifique. Il contenait toutes sortes d'arbres, de fleurs, comme les fleurs que tu vois ici. D'arbres, de fleurs, les arbres du jardin étaient chargés de toutes sortes de fruits, de toutes sortes de formes et de couleurs. Tout sentait bon et les fruits étaient délicieux. Adam et Ève habitaient dans le jardin. C'est là où ils vivaient. Ils s'occupaient du jardin et ils se nourrissaient en mangeant les fruits du jardin. Et au milieu du jardin, Dieu a fait pousser deux arbres spéciaux. Il y avait l'arbre de vie. Et si l'on mangeait de son fruit, on pouvait vivre pour toujours. Adam et Ève pouvaient manger de cet arbre-là. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève n'avaient pas le droit de manger de l'arbre du fruit de cet arbre parce que Dieu leur avait dit « Tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. »
parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève vivaient dans le jardin et ils étaient heureux. Ils s'occupaient du jardin, mangeaient de leurs fruits, tout était parfait. Il n'y avait pas de péché. Le péché, tu sais ce que c'est? On va en parler tout à l'heure. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de mensonge. Est-ce que tu t'imagines ça? Ils parlaient ouvertement avec Dieu comme on parle à un ami. Ils avaient une bonne relation avec Dieu. Rien ne séparait Adam et Ève de Dieu. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Un jour, il est arrivé quelque chose de très grave. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Le serpent était un animal très rusé. Alors, Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, a utilisé le serpent pour tenter Ève. Le serpent est allé voir Ève et lui a demandé « Est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu n'avais pas le droit de manger de tous les arbres du jardin ?» Ben, elle lui répondit « Si, si, nous mangeons de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre du fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et même de ne pas y toucher, sinon on mourra. » Alors le serpent dit « Mais n'importe quoi, vous mourrez pas, c'est juste que Dieu, ben, il sait que le jour où vous allez manger de cet arbre, de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Ah bon? Ève, elle commence à poser des questions. Mais c'est qui dit vrai? Est-ce que vraiment le diable, le serpent là, il me dit des vraies choses? Est-ce que... Elle a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle a vu, oh, j'avoue, hein, regarde comment ils sont beaux les fruits. Oh, ça doit être tellement bon. Si je goûtais. Elle voulait être sage comme Dieu et connaître le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Adam et Ève ont tous les deux désobéi à Dieu. Et ils ont mangé du fruit interdit. Le fruit que Dieu avait dit, non, 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 vous n'en mangerez pas. Ils ont désobéi. Ils ont commis le premier péché, la première bêtise. Et dès qu'ils ont désobéi, tu sais ce qui s'est passé? Tout a changé. Leur péché a eu des graves conséquences. Ils avaient maintenant un cœur et une vie toute sale, un cœur de pécheur. Ils étaient plus tout propres dedans et leur cœur était rempli d'un sentiment un petit peu désagréable. Ils se sentaient coupables. Ils se disaient peut-être, oh, en fait, on a fait une bêtise, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de vêtements, qu'ils étaient tout nus. Et ils ont commencé à avoir honte. Oh, il faut qu'on se cache, il faut qu'on arrache les feuilles, non, 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 il faut qu'on se cache. Et troisièmement, tu sais quoi? Ils ont commencé à avoir peur de Dieu. En effet, quand le soir est venu, ils ont entendu la voix de Dieu qui disait « Adam, Adam, Ève, vous êtes où? Vous êtes où ?» Oh, Adam, il dit « J'ai entendu, on est caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis tout nu et du coup je me suis cachée. » Mais avant, ils n'avaient pas peur. Ils parlaient à Dieu comme avec un ami et là tout d'un coup, ils ont peur. Mais Dieu lui dit « Mais qui est-ce qui t'a dit que t'étais tout nu comme ça ?»« Ben en fait, j'ai fait... » Est-ce que t'as mangé de l'arbre que je t'avais dit de pas manger ?» Oui, mais c'est pas moi, c'est Ève qui m'a donné à manger la pomme et puis le fruit. C'est pas moi, c'est Ève qui m'a donné le fruit et puis j'en ai mangé. » Dieu a dit à Ève, mais pourquoi t'as fait ça? Ben en fait, c'est parce que c'est pas moi, c'est le serpent. Il m'a trompé et voilà, j'en ai mangé. Alors Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi toutes les autres créatures. Tu ramperas, tu sais comment il fait le serpent? Il rampe sur le sol. Tu ramperas sur ton ventre
et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'était une punition, dis donc. Mais il n'a pas puni que le serpent. Il a puni Ève aussi. Et lui a dit, tu auras beaucoup de souffrances tout au cours de ta vie. Et il a puni Adam aussi. Il lui a dit, parce que tu as mangé le fruit que je t'avais dit, non, 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 je t'avais défendu. Alors, le sol sera maudit à cause de toi. Et au lieu de produire des beaux fruits et des beaux légumes, ben, il y aura des mauvaises herbes, il y aura des épines. Et puis, il faudra que tu travailles dur pour en manger tous les jours de ta vie. Jusqu'à ce que tu meurs. Et puis, le Seigneur, leur Dieu, leur a fabriqué des habits en peau d'animaux pour remplacer les habits de feuilles là, qu'ils avaient fait juste pour se cacher. Et voilà. Et puis, il leur a dit... Là, maintenant, vous ne pouvez plus rester dans le jardin. Vous ne pouvez plus vivre comme ça, pêcheur, tout le temps. Parce que tu te rappelles, il y avait le deuxième arbre, l'arbre de la vie. Mais maintenant qu'ils étaient pêcheurs, qu'ils avaient fait plein de bêtises, s'ils mangeaient de l'arbre de la vie, ça leur permettait de vivre pour toujours. Ils ne pouvaient pas rester tous les jours pêcheurs comme ça. Alors, Dieu a dit, c'est pas possible. Vous ne pouvez plus rester dans le jardin. Et il les a chassés en dehors du jardin d'Éden. Et il a mis des anges comme des gardes à l'entrée du jardin pour dire « Non, vous ne pouvez plus rentrer dans le jardin. » Désormais, à partir de ce jour, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont désobéi, Adam et Ève allaient devoir travailler pour cultiver le sol et avoir de quoi manger jusqu'au jour où ils mourraient. Et puis, ils ne pouvaient plus parler ouvertement à Dieu comme ça parce que leur péché... Leur bêtise les séparait de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'elle est triste cette histoire. Avant, tu vois, Adam et Ève, ils parlaient avec Dieu dans le jardin comme avec un ami. Et parce qu'ils ont péché, ils étaient privés de la relation avec Dieu. Ils ne pouvaient plus parler avec Dieu comme ils parlaient avant. Ils avaient honte, ils se cachaient. Tu sais pourquoi? Est-ce que Dieu avait arrêté de les aimer d'après toi? Est-ce que Dieu il était tellement fâché qu'il les aimait plus? Ben bien sûr que non. La Bible nous dit que Dieu, il aime. Il aimait Adam et Ève. Mais tu sais ce qu'il aimait pas? Il aimait pas leur péché. La Bible nous dit que Dieu, il est saint. Tu sais ce que c'est saint? Saint, ça veut dire tout propre. C'est un peu comme dans un hôpital. Tu vas dans un hôpital, il n'y a pas de microbes, tout est propre, les murs sont propres, on se lave les mains, tout est propre. Et on ne peut pas venir tout crado, comme ça, plein de boue, tout ça, dans l'hôpital, voir quelqu'un. Non, 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 le médecin, et tu crois qu'il vient tout seul, avec des habits tout seul? Non, il se nettoie avant de venir. Il est tout propre quand il rentre dans la salle d'hôpital. Ben, Dieu, c'est pareil. Même s'il nous aime très fort, même s'il t'aime très très fort, il ne peut pas accepter que tu viennes tout sale, comme ça, berk, avec toutes tes bêtises, tous tes péchés. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais juste parce que lui, il est saint. Et le péché, ça, il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, 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 c'est pas possible. Mais alors, on fait comment? Comment on peut faire? Adam et Ève, ils ont péché et regarde ce qui s'est passé. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de pécher? De faire des bêtises, d'avoir des mauvaises pensées, de désobéir à papa-maman, de dire des gros mots. Est-ce que ça t'arrive des fois? Mais on fait comment alors? Comment on peut faire? Oh, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Oh, la Bible nous dit que tout le monde a péché. Tout le monde dans sa vie, même papa-maman. Tout le monde a au moins fait... un péché, au moins une bêtise. Regarde, je suis sûre qu'une fois tu t'es déjà moqué de quelqu'un, non? Ou peut-être t'as dit un gros mot à quelqu'un. La Bible dit qu'au moins une fois, tout le monde a péché. Même dans tes pensées, des fois, quand t'as des mauvaises pensées. Mais la Bible nous dit aussi que parce qu'on avait tous péché et qu'on ne pouvait plus rentrer dans la présence de Dieu, Dieu a envoyé Jésus, qui est mort sur la croix pour moi, qui est mort sur la croix pour toi, pour papa et maman,
pour tout le monde. Lui qui avait jamais péché, lui qui a jamais fait de bêtises, il est venu et il est mort sur la croix, comme on l'a vu la dernière fois à Pâques. Tu te rappelles dans la vidéo qui racontait l'histoire de Pâques? La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus qui est mort sur la croix, et en mourant sur la croix, lui qui n'avait pas fait de bêtises, il a pris tous tes péchés, toutes tes bêtises, tout ce que tu avais fait de mal. Il l'a pris et il les a cloués sur la croix. Et maintenant, à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu fais des bêtises, la Bible nous dit que tu peux venir demander pardon à Dieu. Et que quand tu demandes pardon d'un cœur sincère, Dieu, il oublie tous les péchés, il efface toutes tes bêtises et il te pardonne. Et alors, tu peux de nouveau parler à Dieu, venir dans la présence de Dieu, d'un cœur libre, parce que tu sais qu'il t'aime. C'est pas merveilleux ça, de savoir qu'on a toujours le droit de courir dans les bras de notre Papa Dieu, le serrer contre fort, très très fort contre notre cœur, parler à Dieu, lui dire combien on l'aime, tout ça, parce que Dieu nous a envoyé Jésus pour laver nos péchés. Ça veut dire que maintenant, quand tu fais une bêtise, tu peux juste demander pardon à Dieu et il efface toutes tes bêtises. Alors que Adam et Ève, ils avaient péché, qu'ils étaient loin de Dieu, toi, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir demander à Dieu de pardonner tous tes péchés et d'à nouveau demander à Dieu d'être ton ami, de vivre avec lui. Et à chaque fois que tu fais des bêtises, tu peux demander pardon. C'est pas chouette ça? Alors je te propose qu'on regarde une petite illustration pour t'aider à mieux comprendre tout ce que je viens de raconter. C'est parti! Un petit peu de jardinage, ça, c'est une activité que j'aime bien. Surtout que là, regarde, il y a du soleil, c'est le printemps. Je me suis dit, je vais planter une ou deux fleurs. Alors, je mets un peu de la terre, tu vois, comme ça. Après, j'arrose, pas beaucoup, hein. Un petit peu, touc, 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 touc. Et puis, ah, attends, il y a une fleur, il y a une branche qui est coincée. Ah. Regarde, ça lave mes mains, du coup ça peut laver mon t-shirt. Je vais réussir à laver mon t-shirt avec ça, je suis sûre que ça va partir. Attends, peut-être il faut plus d'eau encore. Encore beaucoup d'eau, encore beaucoup d'eau. Oh, purée, non, j'espère que ça va partir si je mets beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Je frotte, ça y est. Non, ça y est, pas du tout, du tout. C'est une catastrophe. C'est encore pire que tout à l'heure. T'as une solution toi? Mais comment je peux faire? Là, c'est sûr, ça marchera pas. J'arriverai jamais à enlever ça toute seule. Mais là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je mette à la machine à laver. J'attends que ça sèche. Après, tout ça. Il n'y a que la machine à laver qui peut enlever. Là, j'ai mis trop de terre. Voilà, mon t-shirt, il est tout propre. Il est sorti de la machine. Regarde, il est tout propre. Et en plus, il sent bon. Oh là là, quelle joie d'avoir retrouvé mon t-shirt tout propre. Cette fois-ci, je vais faire bien attention de pas le salir. Parce que dis donc, hein, j'ai eu peur que jamais on pourrait le laver. Hein. Mais tu sais que nous, c'est pareil quand on pêche, quand on fait des bêtises, quand on pense à des choses mauvaises, quand on triche, quand on se moque des autres, ou quand on désobéit, c'est comme quand mon t-shirt était tout plein d'air. Ça nous salit et berque, ça rend notre vie toute berque, berque. Parce que le Seigneur, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas quand on fait des bêtises. Il nous aime, nous. Mais les bêtises dessus, non. T'aimes bien, toi, avoir un t-shirt tout seul? Ben, c'est la même chose. Dieu, il n'aime pas quand on fait des bêtises. Et comment on fait, alors? Est-ce que moi, j'ai réussi à enlever mes taches toute seule de la terre? Ça ne marchait pas, t'as bien vu. J'ai même mis de l'eau, c'était encore pire. La Bible nous dit que nous, c'est pareil. On ne peut pas laver nos péchés et nos bêtises. Plus on en fait, plus on essaie de les laver tout seul, ben ça s'empire, ça s'empire. Alors comment on fait quand on est comme ça? Quand on fait des bêtises, si on ne peut pas les enlever tout seul? Ben de la même manière que moi, j'ai mis mon t-shirt dans la machine à laver, la Bible, elle dit que tu peux demander pardon à Dieu
pour toutes les choses mauvaises que tu as fait. Et lui, il vient et il efface tout. Et il pardonne ton péché. Il pardonne tes bêtises. Et après, tu deviens comme mon t-shirt, tout propre. C'est pas merveilleux, ça? Waouh, les enfants, maintenant, je te propose que l'on loue Dieu ensemble. Le chant qu'on va apprendre aujourd'hui dit que Dieu fait pour nous des merveilles. Tu sais, c'est quoi des merveilles? C'est des choses fabuleuses. Alors, je te propose de chanter ce chant avec les enfants que tu vas voir dans la vidéo. Je suis sûre que même tu vas retenir quelques paroles de ce chant et que tu vas réussir à le chanter toute la semaine. Tu peux le chanter aussi et le louer avec tes instruments pendant le chant si tu veux. Ou même danser si t'as envie. C'est parti! Dieu fait pour nous des merveilles. Dieu fait pour nous des merveilles. Dieu nous invite à regarder toutes les choses qu'il a créées. Merveilles. Dieu nous invite à inventer, à dessiner et à chanter. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Merveille, 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 merveille. Dieu nous invite à dire pardon, à faire la paix à la maison. Merveille. Dieu nous invite à nous aimer, à consoler, à tout donner. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Invite à lui parler, à l'écouter et à prier. Merveille. Dieu nous invite à croire en lui, à faire des merveilles dans nos vies. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Dieu fait pour nous des merveilles qu'il nous invite à partager. Maintenant, il est temps pour nous d'apprendre le verset du jour. Est-ce que toi aussi tu vas apprendre un verset de la Bible? Ce verset se trouve dans 1 Jean. Ça, c'est presque à la fin de la Bible. Regarde, il ne reste plus beaucoup de pages. Dans 1 Jean 1, 9. Pour apprendre le verset d'aujourd'hui, j'ai une surprise. Est-ce que tu as hâte de savoir qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai trop hâte de te faire découvrir ma surprise. Et cette surprise, ben je te la dis pas, sinon c'est plus une surprise. Alors c'est parti, en avant pour la surprise, et j'espère que tu vas l'aimer. Bonjour Tom, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de découvrir un ancien petit livre que j'avais raconté à mes enfants. Il raconte des histoires d'un petit garçon qui s'appelle Danny. Ce petit garçon, il a à peu près ton âge. Peut-être un peu plus grand, peut-être un peu plus petit, mais enfin, à peu près ton âge. Et aujourd'hui, j'avais envie de te raconter une des histoires qu'il y a dans ce livre. Tu veux bien l'écouter avec moi? Ouais, ouais, je m'en doute, parce qu'en général, les enfants, ils aiment bien les histoires. Moi aussi, d'ailleurs. Cette histoire, elle commence par un verset qui dit, écoute bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça se trouve dans la Bible, quelque part, dans 1 Jean, chapitre 1. Alors, je vais te le redire à la mode enfant.
Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous disons des choses pas belles que l'on a fait ou pensé, il est fidèle, le Seigneur Jésus est fidèle pour nous les pardonner, effacer. Bon, ça c'était le début de cette histoire, parce que ce verset, il colle bien avec mon histoire, qui s'appelle Dany, le petit garçon, et le verre cassé. Ça commence mal, à mon avis, il va y avoir des petits problèmes. Tu veux voir l'image que je regarde? Les enfants, ils aiment toujours les images. Regarde, ça se passe dans une cuisine. Oui, parce qu'il y a un frigo là. Bon, peut-être un peu mal dessiné, si, c'est un frigo. Et Dany, il a décidé, enfin, on voit Dany devant une poubelle, sur une chaise. Il est debout. Déjà, on ne se met jamais debout sur une chaise. Mais bon, Dany, voilà. Et il est en train de faire des choses un peu bizarres. On va commencer l'histoire. Sinon, je raconte tout. L'autre jour, le papa et la maman de Dany ont acheté une série de 12 jolis verres à pied, tout colorés. Alors, des verres à pied, ce n'est pas des verres qu'on tient comme ça. C'est des verres qui, en général, sont en haut, comme ça. On met dedans du vin, du champagne. Et ça se termine avec un joli pied sur une base. Oh, c'est très délicat, très fin. Et tous ces verres étaient bien colorés. L'autre jour, donc, le papa et la maman de Dany ont acheté une série de 12 jolis verres à pied, tout colorés. Voici les verres que nous mettrons pour les grandes occasions, s'exclame papa en les retirant délicatement de leur boîte d'emballage. Un verre. Alors, ils sont emballés dans du papier, hein. Donc, quand on découvre le verre, il enlève tout le papier, il le pose sur la table. Puis encore un autre verre et on le pose sur la table. Oh oui, renchérit maman, comme à Noël. Ou alors on s'en servira pour les anniversaires. Ou alors quand il y aura des invités. Je peux me rendre avec un verre ce soir? Dit Dany en se saisissant d'un verre qui est sur la table. Oh, hop, 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 hop. Non, dit papa en récupérant le verre. Nous allons leur faire une place là-haut sur l'étagère. Pour les grandes occasions, comme ça, on peut les voir, mais on ne s'en servira pas souvent. Donc, on va les mettre là-haut. Dany, il est vexé. Lui, il voulait prendre le verre et puis boire avec. Le papa, il a dit non. Maintenant, il commence à bouder et puis il fait une tête. Toi, tu sais bouder, hein, mieux que moi. Mais la maman, elle me rappelle comment on boude. Non, tu touches pas les verres. Bref, la journée passe. Le lendemain, c'est les vacances, ou alors peut-être comme vous. Dany, en tout cas, il ne va pas à l'école, il reste à la maison, et papa et maman ont décidé d'aller acheter du pain à côté. Et laisse Dany tout seul, mais maman lui a préparé son petit goûter et lui dit « Dany, mon chéri, tu prendras ton goûter, je te l'ai préparé sur la table. À tout à l'heure, on fait vite. » Dany aime bien le goûter. Il a toujours été un peu gourmand, parce que maman, en général, elle lui fait une tartine avec du Nutella. Et puis il y a du lait, parce que Dany il aime beaucoup le lait. Chaque fois qu'il boit du lait, il a la moustache blanche. Et là, il voit la tartine de chocolat. Et il voit le lait. Et il se dit que le lait blanc avec la tartine de chocolat, si on mettait le lait dans le verre rouge, non le vert peut-être, je ne sais pas, rouge peut-être, ça serait trop. Dany a oublié que papa et maman avaient dit « Tu ne toucheras pas les verres. » Dany a trop envie. Puis de toute façon, papa et maman, ils ne sont pas là. Ni vu, ni connu, il va prendre le verre. Comme l'étagère, elle est trop haute, vous vous rappelez, Dany va prendre une chaise. Il va la poser devant l'étagère. Il va monter dessus le tabouret. Et il va prendre le verre. Il est trop petit, Dany. Alors, il va se mettre sur la pointe des pieds. Et au moment de prendre un des verres, il glisse entre ses doigts. Il patatras. Ben oui. Le verre. Cassé par terre en 1000 morceaux. Parce que c'était pas un verre en plastique. Oh! Catastrophe. Comment je vais faire? Dany, il est sur sa chaise.
regarde l'étagère, il regarde par terre. Comment il va faire? Il va se faire gronder. Et puis papa et maman, ils vont pas tarder à arriver. Dany était consterné. Impossible de recoller le verre. Rapidement, il décide de cacher sa bêtise. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un balai. Il ramasse vite tous les débris de verre. Et vite, vite, dans la poubelle, il vire la poubelle et s'assoit devant son goûter. Voilà, voilà. Et en fait, il a plus du tout faim, Dany. Qu'est-ce que dit l'histoire? Il fait disparaître tous les morceaux de verre dans la poubelle. Mais tout d'un coup, Dany n'a plus faim. Comment va-t-il avouer sa faute? Elle va se faire gronder. Oh non, non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire, décide Dany. Et Dany garde son secret, son vilain secret, dans son cœur. Il ne dit rien quand papa et maman reviennent. Et le soir, bonne nuit mon chéri, bonne nuit Dany, ça va Dany? Oui, oui. Quand je te sens tout bizarre, dit maman. Non, non. Bon, pas y arriver. Alors, Fiston, tu veux pas jouer? Non, non, si, 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 oui. Dany, il n'est pas content. Et il ne peut pas faire semblant d'être content parce qu'il a ce lourd secret dans son cœur. Ça va, Dany? Tu es content? Maman lui fait un gros câlin, lui fait un gros bisou. Mais rien n'efface la tristesse de Dany. Il devient de plus en plus triste au fil des heures qui passent. La nuit, il dort pas bien. Le matin, il n'est pas content. C'est trop dur d'être triste comme ça. Alors Dany n'en peut plus. Parce qu'en plus, hier soir, il a voulu prier, comme d'habitude, avec papa et maman. Et ben là, il était trop gêné pour prier le Seigneur. Parce qu'il n'arrivait pas trop à lui parler. Alors il voyait que papa, il priait bien, maman aussi. Et Dany, merci pour la journée, tu parles. Merci pour la journée. Amen. Mais Dany sent bien qu'il ne peut pas parler à Dieu comme avant. Donc comme je disais, le matin il se lève et Dany, ben, il est toujours aussi triste qu'avant. Il pensait que pendant la nuit ça allait partir. Et ben, en fait, de temps en temps, quand il regarde sur l'étagère, et ben, oh, il y a toujours le verre, il y a un trou qui monte. Non, il ne peut plus continuer comme ça, Dany. Alors il prend une décision. Il dit, c'est pas possible, je vais le dire à papa et à maman. Je vais me faire gronder, ça c'est sûr. Ils vont peut-être je recevoir une fessée. Et puis je vais être punie. Et puis ils vont ne plus me donner le chocolat que j'aime bien. Et puis ils avaient promis que j'irai au parc. Et puis ben on n'ira pas. Et puis... Dany hésite encore un peu. Mais en fait, non. Il va le dire à papa et maman. Papa, maman, je dois vous dire quelque chose. Allez, voilà. Quoi? J'ai rien compris, Dany. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'es en train de m'ouvrir, là? Il disait que j'ai fait une bêtise et il n'est pas fait exprès. Voilà, il est parti. Qui il est parti, Dany? Qui est tombé? Qui est tombé? Non, mais c'est le verre, là. Il est tombé. Ben, il n'y a pas de fessée, il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Dany, il ouvre les yeux et il voit papa et maman qui le regardent. Mais tu sais, Dany, nous avions vu que le verre était cassé. Mais on voulait savoir si tu avais le courage de nous le dire. À ces mots, Dany commence à avoir des drôles de trucs dans les yeux. Un drôle de truc qui pique dans le nez. Et puis, comment des trucs qui coulent ici? Et Dany commence à pleurer parce qu'il se rend compte que son papa et sa maman, eh ben, ils le savaient depuis le début et il n'avait même pas grondé et que même papa il avait joué avec lui et que maman il avait fait des bisous et que je te demande pardon papa, je te demande pardon maman, je suis trop triste parce que j'ai cassé la main et je ne l'ai pas dit. Trop mal à l'aise. Et il se rend compte combien ses parents, malgré sa bêtise, ont continué à l'aimer. Et que malgré sa bêtise, même une fois qu'il a été avoué, son papa et sa maman ne le grondent pas. Et au contraire, ils le prennent fort, fort, fort dans ses bras. Et Dany, tout d'un coup, il se sent tout léger, tout content. Il y a comme une espèce de ballon qui est sorti de son cœur. Il se sent tout content, il frappe.
Il est heureux comme un jour de Noël parce qu'il se sent pardonné et surtout il a retrouvé l'amour de son papa et maman qui avaient continué à l'aimer malgré la bêtise qu'ils avaient découvert. Mais d'ailleurs, comment ils avaient su, papa et maman? Ben Dani, c'est facile. Tu avais mis les morceaux de verre dans la poubelle. Quand j'ai jeté quelque chose dans la poubelle, j'ai bien vu qu'il y avait des verres. Ça, c'est maman qui dit. Et papa qui dit, ben, Dani, j'ai pas besoin de lunettes pour voir qu'il y avait bien un trou là-haut sur l'étagère. On savait bien que c'était toi. Mais vous m'avez pas grondé alors? Non, Dani. On voulait savoir si tu aurais le courage de confesser ta bêtise. Ça, tu te rappelles le verset qui dit quoi, le verset? Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Pareil. Et Dani, il a appris cette histoire. De par cette occasion, Dani, il a appris que son papa et sa maman et le Seigneur Jésus l'aiment malgré tout. Et que tu peux cacher tes bêtises. Tu peux faire semblant que rien ne s'est passé. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que ta bêtise, tu l'as faite. Même si tes parents ne le voient pas, lui, le Seigneur, il le voit. Et toi, parce que tu gardes ça dans ton cœur, ben ça te rend triste. Alors que le Seigneur, comme les parents de Dani, sont prêts à pardonner et à dire « Viens, je te pardonne et on efface. » Voilà, c'était l'histoire. Dani a compris que ne pas avouer ses fautes en demandant pardon coupait sa communion avec Dieu. Mais il a appris aussi que le Seigneur était toujours prêt à le prendre dans ses bras parce qu'il l'aimait. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Si tu veux, la prochaine fois tu reviens, je te raconterai les autres histoires parce qu'il y en a encore quelques-unes. À bientôt, je te fais un bisou. Alors, elle était pas chouette la surprise? Oh, merci Chantal pour cette histoire de Dani. T'as pas aimé, dis donc, cette histoire? Oh, Dani avait fait une grosse bêtise, hein? Tu te rends compte, il avait cassé les beaux verres de maman. Oh là 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 là, heureusement qu'il a demandé pardon, hein? T'as vu comment il était joyeux après quand il avait demandé pardon? Parce qu'il savait que papa et maman l'aimaient toujours, puis toutes les bêtises, mais le cœur qui était lourd. Il était tout pardonné, il savait parce qu'il a demandé pardon qu'il était pardonné, que ses papa et maman ils les aimaient, que Dieu l'aimait. Et toi, c'est pareil. Alors j'espère que tu as retenu le verset du jour, hein. Waouh, quelle chouette histoire on a entendue aujourd'hui. En plus, on a eu le droit à deux histoires. Une de Adam et Ève dans la Bible et aussi l'histoire de Dani. Moi, j'ai trop hâte de savoir aussi les prochaines histoires de Dani parce que je suis sûre qu'il a vécu encore plein d'aventures avec Dieu. Alors, cette semaine, je te fais un gros bisou. Je t'embrasse très, très, très fort et j'espère que tu vas faire aussi plein de choses chouettes à la maison avec papa, maman et aussi avec tes frères et sœurs si tu en as. Et que tu fasses peut-être des gâteaux et aussi un petit peu les devoirs de l'école, hein. Attention, hein, il faut être un petit lapin intelligent qui réfléchit. Ben moi je suis trop content en tout cas de savoir que si ça m'arrive encore de faire des bêtises, je peux demander pardon, 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 pardon à Jésus et il me pardonne. C'est trop chouette de savoir ça, tu trouves pas? Ben moi je te fais un énorme bisou tout plein et mouah, attrape, gros 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 bisous. Ciao, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, bisous. Je suis très contente d'avoir passé ce temps avec toi. Cette semaine, un nouveau défi t'attend. Est-ce que tu es prêt? Un nouveau défi t'attend cette semaine. Cette semaine, je te propose, durant toute la semaine, de réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui. Et à chaque fois que tu désobéis, de demander pardon à Dieu. À chaque fois que tu pèches, que tu fais une bêtise, à demander pardon à Dieu. Et aussi à demander pardon à papa-maman si tu as désobéi, par exemple. Ou à demander pardon à tes frères et sœurs si tu leur as fait du mal aussi. Cette semaine, c'est ton nouveau défi. Et tu vas voir combien Dieu il est heureux quand on lui demande pardon. Et combien toi aussi, tu as de la joie dans ton cœur quand tu demandes pardon. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi?
Je te fais confiance et je compte sur toi. C'était vraiment une joie d'être avec toi aujourd'hui. C'est toujours une joie d'être avec toi. Je suis toujours contente quand je fais ces vidéos parce que je pense à toi quand tu vas le regarder. Alors cette semaine, comme toutes les semaines, tu as reçu toute une lettre avec plein d'activités et des jeux aussi à faire avec papa, maman. Regarde bien et je te propose que l'on finisse en priant et en remerciant Dieu pour sa parole et tout ce que l'on a appris aujourd'hui. Tu es prêt? Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur la croix pour mourir pour moi. Et qu'en mourant sur la croix, tu as pris tous mes péchés, toutes mes bêtises. Merci parce que je sais que maintenant, même quand je fais des bêtises, je peux demander pardon et que tu me pardonnes et que tu effaces tous mes péchés. Seigneur Jésus, merci pour ma famille. Merci parce que tu es tous les jours avec moi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous.